Seigneur est proche, venez adorer-le. Le Seigneur est proche, venez adorer-le. Mieux vêtu de majesté, le Seigneur s'est vêtu de puissance. Dieu règne vêtu de majesté, il a noué la puissance à ses reins. Le Seigneur est proche, venez adorer. Dieu fixa l'univers inébranlable, ton trône est fixé dès l'origine. De tout temps, c'est toi le Seigneur. Les fleuves déchaînent le voile. Le Seigneur est proche, venez adorer-le. Les fleuves déchaînent, Seigneur, les fleuves déchaînent le fracas. Plus que la voix des eaux innombrables, plus superbe que le ressac de la mer. Le Seigneur est proche, venez adorer-le. Le Seigneur est superbe dans les hauteurs, tes volontés sont vraiment infaillibles. La sainteté s'attache à ta maison, Seigneur, pour la suite des jours. Le Seigneur est à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est proche, venez Psaume 39.
montre ton amour pour David et sa maison. Toi, le Dieu de mon salut, viens nous sauver, viens Seigneur Jésus. Montre ton amour pour David et sa maison. J'espérais le Seigneur d'un grand espoir, il s'est penché vers moi. J'espérais le Seigneur d'un grand espoir, il écouta mon cri. Il me tira de la fosse profonde, de la rage du premier. Il dressa mes pieds sur le roc, affermissant mes pas. Ma bouche, il mit un chant nouveau, louange à notre Dieu. Beaucoup verront et craindront, ils auront foi dans le Seigneur. N'as-tu pas fait, toi, Seigneur mon Dieu, merveilleux projet pour nous, rien ne se mesure à toi. Je veux le publier, le redire, il en est trop pour les dénombrer. Il m'est prescrit de faire tes volontés. Mon Dieu, je me suis plu dans ta loi au profond de mes entrailles. J'ai annoncé la justice du Seigneur à la grande assemblée. Ta fidélité, ton salut au profond de mon cœur, et n'aie pas caché ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Ne ferme pas tes tendresses pour moi, Seigneur. Puisse ton amour et ta vérité sans cesse me garder. Seigneur, me secourir, vite à mon aide. Honte et déshonneur sur tout cela qui cherche mon âme. En toi,
réjouissance à tous ceux qui te cherchent. Qu'ils redisent toujours Dieu est grand, ceux qui aiment ton salut. Et nous, misérables, Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Le salut lui vient de sa gloire, de son bras de sainteté. Le Seigneur a fait connaître son salut. Aux yeux des païens, révéler sa justice. C'est la violence, l'amour et sa vérité. Pour la maison d'Israël, tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Seigneur sur la harpe, au son des instruments, au son de la trompette et du cor, acclamez le roi Seigneur, gronde la mer et sa plénitude, l'univers et son peuplement. Seigneur, car il vient juger la terre. Il jugera le monde en justice et les peuples en droiture. Amen. Offrez au Saint-Esprit. Cantique d'Isaïe, page 298. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même sans argent, venez. Sans payer, achetez du blé, consommez du vin et du lait. Écoutez donc, écoutez-moi, et mangez ce qui est bon. Tendez l'oreille, venez vers moi, écoutez et vous vivrez. Cherchez le Seigneur jusqu'à ce qu'il se laisse trouver, invoquez-le car il est proche. Que le Messie
Seigneur qui lui montrera sa tendresse. Il aille vers notre Dieu, lui se surpasse pour pardonner. Pour le ciel, reçu la terre, et les portes sur vos voies. Autant l'un est élevé au-dessus de l'autre, autant dépenser au-dessus de vos pensées. Comme des cieux descendent pluie et neige, et n'y remontent pas sans avoir arrosé la terre. L'avoir fécondée fait germer pour qu'elle donne la semence puis le pain. Ainsi fait la parole sortant de la bouche, elle ne reviendra sans résultat. Sans avoir exécuté ce qui me plaît, et réussi sa mission. De saint Ephrem au IVe siècle. Parmi les hommes, aucun n'est plus grand que Jean. Si tous les saints étaient réunis et habitaient en un seul homme, ils ne pourraient pas égaler Jean-Baptiste, dont il a été déclaré qu'il dépasse les hommes de beaucoup et qu'il appartient aux catégories des anges. Mais celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Par ce qu'il a dit de la grandeur de Jean, notre Seigneur a voulu nous annoncer l'abondante miséricorde de Dieu et sa générosité envers ses élus. Si grand et si célèbre que soit Jean, c'est moins que ce que sera le plus petit du royaume. Jean est grand, lui qui a dit par pressentiment « Voici l'agneau de Dieu », mais cette grandeur, comparée à la gloire qui doit être révélée à ceux qui en seront trouvés dignes, n'est qu'un mince avant-goût. Toutes les choses grandes et admirables d'ici-bas, comparées aux béatitudes de l'au-delà, apparaissent dans leur petitesse et leur néant. Jean a été trouvé digne des grands dons d'ici-bas, la prophétie, le sacerdoce et la justice. Jean est plus grand que Moïse et les prophètes, mais la loi ancienne a besoin du Nouveau Testament, puisque celui qui est plus grand que les prophètes a dit au Seigneur « J'ai besoin de me faire baptiser par toi ». Jean est également grand, parce que sa conception a été annoncée par un ange, parce que sa naissance a été entourée de miracles, parce qu'il a annoncé celui qui donne la vie, parce qu'il a baptisé pour la rémission des péchés. Moïse a conduit le peuple jusqu'au Jourdain, et la loi a conduit le genre humain jusqu'au baptême de Jean. Mais si parmi les hommes aucun n'est plus grand que Jean, le précurseur du Seigneur, combien plus grands seront ceux à qui notre Seigneur a lavé les pieds et insufflé son esprit.
souviens-toi sur la hauteur. Vois tes enfants du couchant au levant rassemblés. Ils exultent de joie, car Dieu s'est souvenu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Après le départ des envoyés de Jean-Baptiste, Jésus se mit à parler de lui aux foules. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Alors qu'êtes-vous allé voir? Un homme aux vêtements luxueux? Mais ceux qui portent des vêtements magnifiques et mènent une vie de plaisir sont dans les palais des rois. Alors qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour qu'il prépare le chemin devant toi. » Je vous le dis, parmi les hommes, aucun n'est plus grand que Jean. Et cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Tout le peuple qui a écouté Jean, y compris les publicains, a reconnu la justice de Dieu en recevant le baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne recevant pas ce baptême, ont rejeté le dessein que Dieu avait sur eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il ressuscite la force de salut dans la maison de la maison serviteur. Comme il a dit par la bouche des saints, de autrefois ses prophètes. Salut qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Tes amours jurés à notre Père Abraham, de nous donner la franchise de la crainte, et de livrer des mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté, devant sa face tout au long des jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut en rémission de ses péchés. De la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort et guide pour nos pas au chemin de la paix. Rendons-nous, ô Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ, le Seigneur. Par l'Esprit qui a pris dans nos cœurs, Trisagion, page 352. Je sens sa voix.
Dieu qui nous invite à la conversion par l'intercession de Jean-Baptiste, exauce-nous. Prions le Seigneur. Seigneur, nous sommes des serviteurs indignes de toi, et nous sentons avec tristesse tout le mal qui fausse notre vie. Donne-nous cependant de trouver notre joie dans la nativité de ton Fils, car il vient pour nous sauver. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant, et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Amen.